Sais-tu que l'orque est l'une des trois espèces animales de la planète Terre qui subit la ménopause? Ce n'est pas la seule caractéristique que ces mammifères partagent avec les humains. Ils sont aussi les génies des océans. Les orques sont particulièrement célèbres et appréciés pour leur haut niveau d'intelligence, souvent comparé à celui de nos plus proches parents, les singes et les chimpanzés. L'animal est également très joueur, réceptif et curieux. Connu scientifiquement sous le nom d'Orcinus orca, les scientifiques anglophones l'appellent communément « killer whale » ou « baleine tueuse » en français. Il existe une différence notable entre la taille des orques mâles et femelles. L'orque femelle est généralement plus petit que le mâle et peut atteindre une longueur de 7 mètres. Le mâle, en revanche, peut être beaucoup plus long et mesurer jusqu'à 10 mètres de long. C'est presque aussi long qu'un bus scolaire standard. Un orque peut peser jusqu'à 5500 kg. Pour atteindre des longueurs aussi incroyables et accumuler un tel poids, il faut des dizaines d'années, en sachant que l'orque peut vivre beaucoup plus longtemps dans la nature qu'en captivité. En captivité, un orque mâle vit jusqu'à environ 17 ans, tandis que la femelle vit jusqu'à environ 29 ans. Dans la nature, ils peuvent cependant atteindre 50 à 80 ans. Certains scientifiques pensent même que certains d'entre eux peuvent atteindre 100 ans. Un exemple typique est celui d'un orque étiqueté J2. Ou affectueusement appelé Granny. Photographié pour la première fois en 1976 par le docteur Balcombe dans la mer des Saliches. Elle avait déjà 40 ans avant d'être déclarée morte fin 2016. Si l'âge de Granny fait toujours l'objet de controverses, certains chercheurs sur les baleines pensent qu'elle avait plus de 100 ans. D'autres affirment même catégoriquement qu'elle avait 105 ans. Cependant, selon le rapport du National Geographic basé sur une biopsie récente, d'autres chercheurs situent son âge entre 60 et 80 ans. En fin de compte, la durée de vie des orques est assez longue. L'orque peut vivre presque partout dans le monde. On les retrouve dans les eaux glacées de l'Arctique et de l'Antarctique, ainsi que dans les eaux tropicales chaudes proches de l'équateur. Cependant, on peut dire qu'ils préfèrent les eaux froides. Ils existent depuis 11 millions d'années. Ce n'est donc pas surprenant qu'ils soient présents dans les mythes et les légendes de divers groupes ethniques côtiers du monde entier. En effet, on rapporte que des baleines auraient travaillé dans le passé avec des pêcheurs locaux dans le cadre de projets de pêche mutuellement bénéfiques. Le National Geographic recense au moins deux exemples de relations mutuelles de ce type. L'un est le rapport de l'expédition Bering qui mentionne le Kamchadal, actuellement la Russie orientale. Un autre est celui de Twofold Bay, en Australie. Dans ces deux cas, et dans tous les autres cas enregistrés, les orques gardaient souvent en troupeau et parfois même blessaient de gros baleines, y compris des baleines à bosse, tout en chassant leur proie dans une zone où les pêcheurs locaux pouvaient facilement attraper les poissons. Le musée australien Eden Killer Whale Museum fait récit de trois groupes d'orques comptant jusqu'à 50 individus, menés par un orque nommé Old Tom, qui aurait aidé les pêcheurs dans leur opération de pêche dans les années 1840. En retour, les pêcheurs donnaient aux orques la langue et les lèvres de toute baleine capturée dans le cadre d'une telle entreprise commune. L'alimentation d'un orque est variée, mais strictement basé sur le groupe pote, écotype auquel il appartient. Les orques se nourrissent d'une grande variété d'animaux, dont le saumon, la pieuvre, les raies, les calmars, les phoques, les otaries, les oiseaux de mer, les morses, les pingouins, les tortues, les loutres et d'autres grandes baleines comme les baleines à bosse. Grâce aux travaux du chercheur canadien Michael Big, les scientifiques ont identifié deux sous-groupes distincts d'orques, les orques résidents du sud et les orques de passage. Si tous les orques aiment nager sur de longues distances et plonger en profondeur, les orques résidents sont généralement moins migrateurs et sont des mangeurs difficiles qui ne se nourrissent que de certains poissons. Ils sont également moins agressifs. En revanche, les orques de passage vivent de divers animaux comme les phoques, les otaries, les pingouins, etc. Leur pod est constitué de moins de membres, qui peuvent être aussi peu que 5, et sont plus migrateurs, parcourant de plus longues distances. Lorsque leur chemin croise ceux des orques résidents, ils ont tendance à les éviter. L'orque de passage, le plus agressif, est souvent appelé orque de Big. Ils ont une réputation de chasseurs féroces qui a valu à tous les orques le titre des polars. Leurs étranges stratégies de chasse ont été décrites comme étant très similaires à celles des loups. Ils sont connus pour jouer avec leur proie, parfois pour apprendre à leurs petits comment chasser, parfois simplement pour le sport. Leur nature enjouée, leurs dents de 10 cm de long, leur vitesse incroyable et leur intelligence exceptionnelle en font un prédateur dangereux. Si tu pensais que le grand requin blanc est le roi des mers, détrompe-toi.
ce titre revient à juste titre à l'orque, véritable prédateur de pointe de nos océans. Possédant à la fois le cerveau et les muscles, ils sont dangereux et chassent en groupe comme les meutes de loups. De ce fait, ils n'ont pas de prédateur naturel, sauf bien sûr l'homme. Quant à savoir s'ils sont en danger, l'Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN, les classe dans la catégorie « données insuffisantes ». Faute d'informations suffisantes et aussi parce qu'il est possible que d'autres sous-espèces qui ne sont pas encore connues existent. Cependant, l'orque du Sud a été classé comme une espèce menacée par des pays comme le Canada et les États-Unis. Les orques ne constituent pas une menace pour les humains à l'état sauvage. Le fait qu'ils soient appelés baleines tueuses ne signifie pas qu'ils sont des monstres chasseurs d'humains. Cependant, il ne fait aucun doute qu'ils sont une espèce dangereuse. Ils sont plus grands que les humains dans de multiples proportions. Ils ont de longues dents et sont des chasseurs féroces hautement qualifiés. Il existe des témoignages crédibles sur les orques ayant causé la mort d'humains. Mais toutes ces morts ont été infligées par des orques en captivité. Un exemple notable est la mort de Dawn Branshaw en 2010, un entraîneur de SeaWorld en Floride, dont la mort aurait été causée par l'orque Tillicum. Les chercheurs affirment qu'il s'agit du fruit de circonstances malheureuses que l'ennui et le stress de la captivité ont eu sur l'orque. Qu'il soit né en captivité ou dans la nature, tous les orques ont le désir inné de nager sur de longues distances. En moyenne, les orques nagent environ 65 km et plongent de 30 à 150 mètres de profondeur plusieurs fois par jour, chaque jour. Un parc marin n'offre pas cette liberté qui leur est nécessaire. Bien que les orques à l'état sauvage ne comptent aucun cas de mortalité humaine, car ils choisissent délibérément de ne pas attaquer les humains, les décès causés jusqu'à présent sur ceux qui se trouvent dans les aquariums sont une bonne leçon de prudence à suivre face à ces géants. Les orques sont des animaux très intelligents, avec lesquels nous partageons plusieurs caractéristiques uniques. Ils sont les génies de l'océan. Ils sont des prédateurs ultimes dans l'eau. Ils passent par la ménopause et ont des cultures sophistiquées transmises de génération en génération. Avec des traits aussi similaires et rares chez d'autres espèces, il faut espérer que la chasse cessera afin qu'ils puissent prospérer dans les prochains millions d'années. Compte tenu de leur taille gigantesque, les orques pourraient facilement manger des humains, mais ils ont choisi de ne pas le faire pour plusieurs raisons. Une de ces raisons pourrait peut-être qu'ils s'en tiennent strictement à l'alimentation qui leur a été présentée depuis leur naissance, et que les humains ne seraient pas une source de nourriture durable puisque nous ne vivons pas dans l'eau. Alors, pourquoi nous ajouter au menu ? Une opinion plus répandue est qu'ils nous considèrent comme des espèces intelligentes et qu'ils ont compris que nous jouons un grand rôle dans leur survie. Donc, ils sont gentils et nous traitent comme des alliés. Si tu es intéressé par d'autres vidéos passionnantes sur les animaux les plus fascinants de notre planète, alors clique sur cette liste de lecture pour regarder toutes les vidéos qui s'y rapportent. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne veux pas manquer de nouvelles vidéos.